Précédemment, dans Défi Extrême, retour à l'île. Les trois derniers candidats sont partis à la cueillette de ma petite puce angélique, la plante carnivore humaine. Oh, elle est trop mignonne. Corentin et Zoé ont fait le serment d'aller en finale ensemble, mais suite à un gros problème de confiance, ils ont dû faire machine arrière. Au final, Flashman a remporté l'immunité, et c'est Zoé qui l'a choisi de catapulter hors de l'île. Il ne reste plus que deux concurrents, Flashman et Corentin, pour disputer l'ultime défi extrême de la saison. Mister Intello et Mister Biscotto vont sortir leurs griffes et se rentrer dans le chou pour tenter de remporter cette mallette contenant 1 000 000 $. C'est ici et maintenant que va se dérouler la grande finale de Défi Extrême Retour à l'île. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai. Pauvre Zoé, elle méritait vraiment de participer à la finale. Mais alors, j'aurais pas eu le plaisir de te mettre la pâtée avant de rentrer chez moi avec le pactole, en vainqueur. Rien n'est encore joué. Je suis peut-être taillée comme une crevette, mais j'ai encore ce que vous, les athlètes, vous appelez la gnaque. Sérieux? Et moi j'ai la super gnaque. Autant dire que tu as du souci à te faire. Peut-être bien, à moins que l'épreuve finale soit de nature intellectuelle. Ah, dans tes rêves. Jusqu'ici, toutes les finales ont été des épreuves physiques. J'espère que tu aimes le jus de fruits, parce que je vais t'écraser comme une grappe de raisin. Si je suis inquiet? Non. Terrifié? Oui, mais l'ancien enfant bulle que vous avez devant vous a fait du chemin. Si je peux battre Flashman, alors tout peut arriver. Comme une grappe de raisin. Mais si d'un autre côté Flashman me met la misère, je pourrai toujours ressortir ma bulle en plastique stérile dans laquelle je passerai les 15 prochaines années, le temps que ma peau repousse pendant que ma maman me donnera à manger à la paille. Grappe de raisin! Oh maman, si tu m'entends, commence à gonfler la bulle d'oxygène. Ah, si j'étais un gentleman, je m'effacerais pour laisser gagner la fillette. Ah, mais mon père ne m'a pas élevé en gentleman. Ah, alors la victoire est dans la poche. Saluez le puissant Mercier. Saluez Mercier? C'est quoi ce déguisement de Romain? Tu verras bien. Esclave, dépêche-toi de m'apporter mon écran magique. Hé, hey, vous savez quoi? Dans la Rome antique, tirer la langue était en fait une marque de respect. Non, c'est pas vrai. Et alors? Pour vous récompenser d'être arrivé jusqu'en finale, vous avez le droit de parler à l'un de vos proches durant 30 secondes. Waouh! Maman! Mon lapin! C'est dingue comme tu as changé! Dis-moi, tu as pris du muscle? Exactement! Grâce au sport, j'ai plus vomi depuis des semaines. C'est génial, mon chéri, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ça coûte très cher, l'air purifié. Si tu ne gagnes pas le million de dollars, on devra dégonfler la bulle. Tu plaisantes? Je t'adore, mon petit pruneau. Pense à te laver les dents et à gagner. T'inquiète pas, mon petit pruneau. Tu pourras te laver les dents après la victoire. À condition qu'il t'en reste, crevette. C'est mon papa. Flashman va gagner le million de dollars les doigts dans le nez. Tu seras fier de moi, papa. C'est le meilleur fils qu'un athlète puisse rêver. Tourne-toi, papa. Je suis là. Et s'il ne gagnait pas? Impossible. Je suis prêt à parier mes bagues que j'ai gagnées au baseball. Quoi? C'est une blague, hein, papa? Il a intérêt à gagner, parce que sans ses bagues, je ne vaux rien. Moins que rien. Papa! Papa! Non! Il plaisantait. C'est obligé. Il en avait pas l'air, d'après moi. Waouh!
Je suis fan de boxe, mais garde tes coups pour le défi. Si je perds le défi, papa devra renoncer à ses bagues. Mais ça se produira pas, je suis pas un loser, la défaite je connais pas. Et je vais me donner à 100% pour faire en sorte que papa soit fier. Parole de Flashman. Où on va comme ça? Dans la forêt hantée? Au mont du mauvais présage? Je me suis pas mal débrouillé au mont du mauvais présage. Non, on va dans un endroit beaucoup plus dangereux, étant donné que vous allez devoir disputer la plus dévastatrice de toutes les finales. Chers messieurs, nous sommes arrivés au Colouisée. Chers finalistes, vous pouvez saluer chaleureusement votre clan de supporters appartenant aux Asticomutants, Michael, Zoé, Esmeralda, Boris et Joe. Et sur le banc des rats toxiques, Charlotte, Pat, Sam, Kimberly Zoïd, Océane et Scott. Ou plutôt ce qu'il en reste. Waouh, merci les amis. Équipe Flashman, wow! Qu'est-ce qui est arrivé à Scott? Oui, Rex s'est un peu trop amusé avec lui après son expulsion de la honte. Alors, on a dû l'installer sur un fauteuil roulant dernier modèle. Il est équipé de voyants lumineux pour signifier oui ou non. Est-ce que c'est un oui ou un non? Aucune idée. Mais qui s'en soucie vraiment? À part Scott. Hey Louis! Je suis vraiment obligé d'encourager Flashman. Ne le prends pas mal, mais on peut pas dire que tu étais le coéquipier le plus sympa. En tout cas, moi j'encouragerais pas Musclor ni la crevette d'ailleurs. Eh bien moi je suis sûr du contraire. Autrement, vous m'obligeriez à lâcher Rex. Vous avez d'autres questions? Vive Flashman! Passons maintenant aux choses sérieuses. Pour terminer la saison en apothéose, le défi consistera à un grand combat de gladiateurs. Vous ferez d'abord appel à votre imagination pour fabriquer vos armes et vos armures, pour disputer une épreuve que j'ai appelée « ça passe ou ça casse ». Vous allez avoir besoin de matériel pour la fabrication de votre équipement. Et nous vous fournissons tout le nécessaire. Oh, il peut être super utile ce chalumeau. Une minute, ce n'est pas terminé. Oh, chef! Merci beaucoup, chef. Vous avez 15 minutes pour choisir parmi ces déchets prélevés sur le mont Poubelle les pièces nécessaires à votre équipement. Mais attention où vous marchez, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce dépotoir soit truffé de pièges. Ah, oui. Et... Franchement, c'est grave! Fais pas ton pleurnicheur! Accroche-toi, Corentin! Ouais! Prends la jambe de mannequin, ça te fera une super massue! Oh, et la chaîne aussi! Il faut aussi qu'il se fabrique une armure! Pour se protéger de quoi? Cool! Avec un processeur de 700 MHz! Autant pour moi! Oh, la sécurité avant tout! Tu devrais lâcher l'affaire! Ça m'évitera un séjour prolongé à l'hôpital! Oh, le chalumeau! Ouais! Le million de dollars ne peut plus m'échapper! Oh. Regardez ça! Flashman sort l'artillerie lourde! Oh. Ah. Qui est le plus malin des deux? Ah. 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 J'adore! Franchement, je regrette de ne pas avoir fait poser tous ces pièges. Tu vas y arriver! Ouais. Corentin, t'es le meilleur! Super! Non! Avec ça, je suis blindé! Ouais! Thank you.
Attention, terminé. Maintenant, mettez-vous en position afin de disputer l'ultime défi extrême de la saison. Le dernier debout gagnera 1 million de dollars. Essaye de pas lui faire trop mal. Vas-y, Spartacus. Finissons-en. Oh, ça me fait tout drôle de devoir encourager Flashman. D'habitude, je soutiens le loser, mais le seul loser ici, c'est Corentin. Franchement, regardez-le. Sympa ta valise. Alors, le petit Pruneau est prêt à rentrer chez sa maman? Non. C'est toi qui vas nous quitter. Je suis prêt. On ne va pas s'ennuyer. Quel gladiateur va mordre la poussière? Restez avec nous pour regarder la suite de Défi Extrême Retour à l'île. Tu vas l'avoir, mon frère. Prends-le ce que tu as dans le ventre. Vas-y, Corentin. Nous allons assister à l'épreuve finale de la saison. Un combat de gladiateurs digne des meilleurs spectacles de la Rome antique. Et pour... Ah, écoute, Microbe, je vais te réduire en tellement de miettes que tu seras... Genre... Comment je m'appelle? Ça veut rien dire ce que tu racontes. Ah ouais? Eh bien, tu crains! Il me semble que j'étais en train de parler. Vous vous balancerez des insultes pendant le combat. Oh, et pour rester fidèle à l'esprit de défi extrême, vous allez avoir quelques obstacles à surmonter et que je ferai apparaître dans l'arène quand l'envie m'en prendra. Je détruirai tout ce qui se dressera sur mon chemin. Le duel prendra fin quand un gladiateur aura immobilisé l'autre durant 3 secondes. 3 secondes? Ah, je t'immobiliserai pendant si longtemps que tu feras genre « Qui a éteint la lumière ?» Encore une fois, j'ai rien compris. Et... à vous de jouer. Tu peux faire une croix sur le million de dollars. Sérieux? Et toi, tu peux faire ta prière? Waouh! Je suis pas champion de baseball pour rien. Je n'ai pas trouvé de lion, mais j'ai un insecte mutant qui fera l'affaire. Messieurs les finalistes, mettez-vous en position pour disputer l'ultime défi extrême de la saison. Non! Chouette! C'est le scarabée qui va faire le boulot à ma place. Je commence à sentir l'odeur de l'oseille. Allez, Corentin, baisse pas la garde! Je te rappelle que c'est Flashman que tu dois encourager. Tout à l'heure, ils étaient 2 et maintenant ils sont 3. Je sais plus où j'en suis. Oh! Oh! Oh, 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 ne m'oblige pas à me servir de mon arme fatale. Non. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Désolé. Jusqu'à présent, t'as eu de la chance, crevette. Mais le gentil Flashman, c'est terminé. Parce que tu étais gentil avant. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Ouais. Tu aimes ça? Flashman va te changer en tolondilé. Taux de résistance 80%. Oh, 75%. Bye bye, Brady. Je veux pas voir ça. Franchement, tu as tort. Parce qu'on va certainement battre un record d'audience. Je veux retourner dans ma bulle. Dégage, sac à main. La crevette est à moi. Mise à feu. Ça va chauffer. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Ça va aller. Vas-y, immobilise-le. Profite-en, Corentin. Ah oui. Dans tes rêves, pas ta bulle. Puissance maximale. Et ping. Angélique. Pas les mutants, ils me font peur. Oh!
tu oses faire ça, tu auras affaire à moi. Cette pauvre cheveux. Mes amis courent un grave danger. On doit leur venir en aide. Tu sais quoi? Va perdre ton temps à essayer de sauver une bande de losers pendant que moi je me charge de gagner le million. Hey, reviens ici. Louis, il peut plus bouger. Bon débarras. Merci, Trésor. De rien. Oh. Ouais. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée des produits toxiques, mais le chef. Alors si vous voulez vous venger sur quelqu'un, défoulez-vous sur lui. À l'aide. Tu auras une double ration de fertilisant pour le dîner. Oh. Et maintenant, tu vas aller ficher la trouille à toute cette bande de tocards. Vilaine tortue, laisse-le tranquille. J'ai du mal à respirer. Les feuilles de thé ne m'avaient pas prédit que ça finirait comme ça. Oui, mon arrière. Ah, non. Au lieu de jouer les héros, bats-toi, crevette. Taux de résistance 60%. Où est le point faible de cette plante? Je l'ai trouvé. Bien joué, Corentin. Tu voulais relever un défi intellectuel? Quand je t'aurai réglé ton compte, c'est toi qui auras du mal à te relever. Prends ça. Oh, taux de résistance 20%, 15%. Les coups de Flashman sont plus puissants que prévu. Oh, mais oui. Armure numéro 1. Transfère toute la puissance pour créer une charge électromagnétique. Oh non, ça a provoqué un court-circuit dans mon armure. Je suis coincé. Te voilà. Une seconde, qu'est-ce qui m'arrive? Rien de spécial, je t'ai juste changé en aimant géant. Ça doit faire mal. Relève-toi. Vas-y, ouais, vas-y. Félicitations, on peut l'applaudir bien fort. Corentin a gagné la grande finale de la 4e saison de Défi Extrême et le million de dollars de récompense. Oui, j'ai réussi. Hier, j'étais dans une bulle stérile et aujourd'hui, je suis millionnaire. Franchement, j'y croirais pas moi-même si c'était pas filmé. Flashman, si jamais tu me regardes... C'est scandaleux, oui. Il était truqué, ce défi. J'ai pas pu perdre contre un type qui a peur des microbes. Non, c'est pas possible. Désolé, papa. Félicitations, Corentin. Voici la récompense promise au gagnant. 1 million de dollars. Et en petite coupure, s'il vous plaît. Merci. Non. Et merci pour vos encouragements. C'est ce qui a fait toute la différence. Qu'est-ce que tu vas t'offrir? Une nouvelle coupe de cheveux ou des chaussures? Parce qu'il y a du boulot d'un côté comme de l'autre. T'as pas entendu sa mère? Il a besoin de cet argent pour gonfler sa bulle. Je comptais retourner dans ma bulle pour protéger mon système immunitaire, mais après avoir vécu sur l'île sans attraper de maladies graves, je n'ai plus besoin de vivre en milieu stérile désormais. Corentin, ça me fait trop plaisir. Mais ça n'aurait pas été possible sans vous tous. Alors, j'ai décidé de vous offrir tout ce qui vous ferait plaisir. Bonjour, écran plasma 150 pouces avec console de jeu dernière génération. Je vais enfin pouvoir ouvrir la salle de gym de mes rêves. École de mode, me voilà. Vous avez bien compris. Et voilà, la 4e saison est presque finie. Je vous réserve une dernière surprise que j'ai chargée sur le bateau. Règle numéro 1 du showbiz, toujours terminée en feu d'artifice. Ah ouais. Oh,
la prochaine, je suis Louis Mercier et vous avez regardé Défi Extrême, Retour à l'île. Vous êtes en état d'arrestation, Mercier. Pourquoi? Parce que vous avez causé une véritable catastrophe écologique. Habitants de Wawanakwa, votre île est désormais sous la protection du gouvernement. Vous êtes mis en quarantaine et vous devrez subir une décontamination à très haute pression.